mettant en scène une un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elles entraînent, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de nouvel an à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Ces derniers ont décidé de privilégier leurs intérêts personnels.